cette carte nous a été communiquée avant le départ et on avait deux expériences d'astronomie, d'astrophysique pendant cette mission. Et donc cette carte nous permettait de mieux nous repérer dans les étoiles, de naviguer en quelque sorte, de au moins faire naviguer les objectifs de nos appareils photo et de photographier les bons endroits dans la voûte céleste. Donc c'est à ça que servait cette carte et donc où les Russes, les scientifiques russes qui avaient préparé cette carte avaient fait des repères sur chaque jour, chaque orbite pratiquement. Et donc il y a des repères écrits en russe qui signifient en quelque sorte les points repérables de chaque orbite, chaque journée, chaque période de journée où étaient prévues ces observations. Donc c'est une carte de navigation astronomique. Et on avait deux expériences d'astronomie, alors je ne me souviens plus laquelle était prioritaire pour cette carte. Je pense que la carte servait, d'une manière générale, à bien préparer l'orientation de ces matériels à bord de la station. Être sûr de pointer vers le bon endroit de la voûte céleste. Alors on avait, avant de savoir utiliser cette carte, on avait passé aussi beaucoup d'heures dans le planétarium de la Cité des Étoiles, où on apprenait à bien se repérer. Il y avait même un système de navigation, d'orientation d'un vaisseau spatial en fonction des observations faites dans cette voûte céleste, de façon à se dire, je suis là, je veux aller à tel endroit. Alors, c'est bien de faire ça, je suis là, je veux aller à tel endroit. Il faut déjà savoir sur une carte et ensuite dans un planétarium, quand je vois cette zone-là de la voûte céleste, je suis bien là et pas là ou là ou là. Et puis que celle que je veux rejoindre, elle est bien là ou là ou voilà. Donc il y a un problème d'orientation qui est pas évident. Et surtout à l'époque, on n'avait pas les instruments dont on dispose aujourd'hui. Et donc pour piloter le système, donc piloter le Soyouz, parce que c'était une navigation faite pour les vaisseaux spatiaux, pour les gens qui auraient à naviguer tout seuls, sans aucun autre instrument, et pouvoir se dire je suis à tel endroit de la voûte céleste et je sais effectivement où je suis, je sais quelle est ma position, et si je veux aller à un autre endroit, et bien savoir dans quelle direction on part, comme ça, pas partir n'importe comment. Voilà un peu à quoi servait cette carte et l'entraînement préalable fait en planétarium. Nous étions donc tous les trois membres de l'équipage, et surtout le français, les expérimentateurs, les hommes chargés de manipuler ces systèmes pour faire de l'observation astronomique. On n'avait pas participé à la conception. On a fait de l'entraînement à Moscou auprès des Français responsables de l'expérience. Donc c'était des astrophysiciens, des astronomes français qui étaient venus à la Cité des Étoiles avec ce matériel et nous avaient montré comment l'utiliser. Et très vite, le commandant de bord, le responsable de la mission, Vladimir Djanibekov, et moi-même dans la foulée, leur avons dit, il y a une petite erreur dans la conception, c'est que les molettes de site et les molettes d'azimut, donc XZ ou XY, peu importe, ont en principe un sens. Quand on tourne comme ça, ça monte, quand on tourne comme ça, ça descend. Si on fait ça, ça part à gauche, si on fait ça, ça part à droite. Et là, elles étaient inversées. Alors, il dit, ça serait bien de les changer. Et il l'avait mal pris et nous avait dit, vous n'êtes pas ici pour nous donner des leçons, vous êtes ici pour apprendre. Donc ça, c'est pour la petite histoire, 40 ans après, maintenant on peut le raconter, parce qu'il y a prescription, si l'on peut dire. Donc il a fallu qu'on monte là-haut avec cet équipement, sachant que c'était l'inverse, c'était comme un avion, où quand on met le manche à gauche, on part à droite, et inversement. Et quand on tire sur le manche, on descend, c'est un peu ce qui nous avait fait. Et ensuite là-haut, un jour, j'entends, j'étais en train de discuter avec mes collègues, j'entends des grands coups de marteau. Alors dans la station Salyut, et dans la station Mir, pareil, ça c'est très russe, c'est le concept russe, il y avait un établi avec un étau, un marteau, etc.
Et donc Jaïbekov avait remarqué qu'il y avait des jeux dans ce truc. Donc quand on tournait, en fait, l'appareil photo ne bougeait pas tout de suite. Il y avait des jeux dans les transmissions. Donc il avait décidé un soir discrètement, entre guillemets, de remédier à ces jeux. Donc il était sur l'établi de la station Salyut avec un marteau en train de taper sur les... Autant vous dire qu'effectivement, après, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de jeu du tout, c'était complètement bloqué, on ne pouvait plus tourner. Voilà les deux petites anecdotes amusantes sur cet instant. Néanmoins, les photos ont été faites et je crois que les résultats étaient bons, tout a été fait, l'expérience a non pas fonctionné, mais au moins amené ses résultats. On a chacun notre combinaison et elles sont utilisées pour le vol. Et donc à l'aller et au retour, et après c'est terminé. Elles sont taillées sur mesure. Alors il y a des, un peu comme les costumes chez les tailleurs, il y a trois ou quatre mesures standards et on les ajuste. Il les retaille, mais ce sont des costumes faits sur mesure. Donc ça fait partie de l'équipement de survie. Donc c'est un miroir qui est bien connu des aviateurs, de tous les pilotes de chasse, enfin des pilotes militaires. On a ça dans les équipements en cas d'éjection, de parachutage, et au cas où on serait perdu dans la jungle ou sur un bateau en train de flotter sur les océans, on a ce miroir et on a un système de réflexion du soleil qu'on peut orienter en particulier vers un autre avion, c'est ce qui est montré sur le petit graphique. Donc, avertir de la présence du détenteur du miroir. Alors, ce qui était prévu, c'était de le monter là-haut, qu'on fasse une émission avec TF1. TF1, c'était Michel Chevalet qui l'avait fait embarquer, en quelque sorte, livré à Baïkonour. Et puis personne ne s'est posé la question de ce qui lui arriverait ensuite. Donc il est resté à bord de Mir. Et 9 ans après, quand je suis retourné sur Mir avec les Américains, donc avec la NASA, les cosmonautes russes qui étaient à bord me disent « Est-ce que tu sais qu'on a retrouvé ton orgue ?» Alors je dis « Ben non, ben, il est là, on l'a retrouvé récemment et on a tous... signé, on a tous autographé l'orgue, et comme ça, si tu veux le ramener, si vous voulez le redescendre en navette, eh ben, il est là. Donc c'est pour ça qu'il a passé 9 ans là-haut. Donc il est redescendu en navette, il est resté 2 ans à l'entrée du bureau du directeur de la NASA à Houston, George Abbey, et qui me l'a remis ensuite. Et puis maintenant, ben, il est chez vous. Il marche toujours, il a été bombardé de particules lourdes et autres rayonnements, mais il ne faut pas le dire à Yamaha parce que ce n'est pas le but de l'opération, mais il marche toujours. Donc j'ai ramené beaucoup de choses de Russie, de mes vols, et aussi un peu des États-Unis. Et puis il y a 6-8 mois, en faisant un peu l'inventaire et devant l'éventualité d'un déménagement, etc., je me suis rendu compte que j'avais 3 énormes malles comme ça de souvenirs et l'orgue qui lui était coincé dans une armoire et je me suis dit le jour où je serai plus là tout ça va partir en fumée quelque part donc autant voir s'il y a des grands amateurs donc je me suis adressé à un ami qui est commissaire priseur donc monsieur Le Calves qui s'en est occupé et donc je dis au moins ça attirera chez les amateurs. Et le meilleur du monde est arrivé parce que ça atterrit au musée de l'air. Donc, alors que sinon, ben, dans 50 ans plus, ben, l'orgue il aurait terminé je ne sais où, peut-être dans une poubelle. Et la vocation de ces choses qu'on garde autour de soi à l'infini, c'est pas une bonne décision de les garder.